Bonjour mesdames, messieurs et personnes non binaires et bienvenue dans l'épisode 13 de la saison 3 dont on n'a rien préparé. Le podcast d'impro bruxellois dans lequel on n'a presque rien préparé sinon, ce serait pas de l'impro. Je m'appelle Emmanuel Henberg, je serai votre présentatrice du jour. Vous avez déjà entendu sa petite voix suave et aigrelette. Il s'agit à ma droite d'Ise Brassel. C'est moi. Et à ma gauche, il se tait pour une fois, sauf pour venir me tacler quand je ne m'y attends pas. Il s'agit de Chamel Hamouri. Voilà, je n'aurai qu'un soupir de sa part et c'est peut-être mérité. J'espère que vous vous portez bien en cette fin du mois d'octobre, de novembre. Tu veux la refaire ? J'espère que vous vous portez bien en cette fin du mois de novembre. Moi, en tout cas, je suis vachement heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode de On n'a rien préparé. Alors évidemment, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à aller vous abonner à nos réseaux sociaux ainsi qu'à notre flux RSS, à Spotify, à iTunes. Lâchez des pluies d'étoiles, des tonnes de commentaires positifs, etc. pour que nous soyons les mieux référencés possibles et que nous puissions atteindre un maximum de monde. Merci pour ça. On veut de l'amour. On veut de l'amour. De la gloire, ouais, putain. Et de la beauté. Non, je m'en fous, je l'ai déjà. Voilà, on ne sera pas une sitcom des années 70, du coup, c'est dommage. Eh bien, Hicham, comment ça va ? Ça va ? Ouais. J'ai fait une micro-sieste, ça va mieux. Certains l'auront vu sur les réseaux sociaux, d'ailleurs. Taisez-vous. Il y a un mois. Ensuite, moi, je trouvais que c'était... c'est une certaine photo. Je pense que c'est pas moi qui suis le plus drôle sur sa photo. Ise Brassel, comment allez-vous? En parlant de micro-sieste. Je me supporte tous les jours, écoute. Jusqu'ici, j'ai survécu et je survivrai à ces sourcils dramatiques que je porte pendant mon sommeil. C'est pas la fin du monde. C'est une habitude de... Bon, en même temps, Mais je pense que j'ai déjà de base un espèce d'air princier, quoi que je fasse. Ah, un petit peu malgré moi. Non, mais là, t'as l'air contrarié, quoi. Je suis une princesse contrariée. Ça fait partie de l'air princier, d'être un peu contrarié. Mais oui, c'est ça. Oh oui. Non. Oh non, oh, les gens sont des médiocres. Oh oui. Wow. Oh, la plèbe. Et toi, Hicham, d'habitude, quand tu dors, tu as l'air... princier ? Décontracté. J'ai l'air mou, je pense. Oui. J'ai l'air dans l'abandon total, quoi. Très bien. On ne peut pas toujours gagner. Bon. Très bien. Alors, on n'a rien préparé pour les personnes qui nous rejoindraient. Ce n'est pas a priori de la mémification de répliques Disney, même si ça pourrait. Il s'agit de 30 minutes d'émission, de 3 impros. On l'espère, pas mal de rire et de fun. Et ça commence tout de suite avec une première improvisation qui nous est présentée par Hicham. Je vais vous présenter une commentaire sportif. Dans cette improvisation... Manu et Ise vont interpréter deux personnes qui font les commentaires d'une action du quotidien, somme toute fort banale, mais comme si s'il s'agissait d'un événement qui dépasse l'entendement, qui est d'un enjeu capital. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et l'événement, ce qu'ils vont décrire aujourd'hui, c'est quelqu'un qui se lave les mains. Oh, wow. Formidable. Bonjour Jocelyne. Oui, bonjour Thomas. Et bienvenue dans cette Exhibition International of Hand Washing. Hand Washing! Eh oui, c'est un gala ce soir, un grand gala qui nous est proposé par Madame Hervé Salpêtre, la championne en titre de lavage de mains depuis 4 ans maintenant. Mais oui, Hervé Salpêtre qui pour une fois prête son terrain à cette activité qu'est le handwashing. On le sait d'ailleurs que toutes les éditions précédentes ont été faites chez sa grande rivale, n'est-ce pas, Caroline, qui se faisait dans son lavabo. Il y a déjà eu des polémiques sur est-ce que finalement Caroline n'a fait que gagner parce que c'était son lavabo. Mmh. Eh bien aujourd'hui, nous le saurons. Et oui, parce que aujourd'hui, les juges ont décidé d'opter pour un terrain neutre pour cette nouvelle confrontation au sommet. Il s'agit des
toilettes de la gare du Midi. Les toilettes de la gare du Midi, exactement. Un terrain très familier pour RVE tout de même, qu'on se le dise. Mais bon, nous en parlerons plus tard. Ah, et je vois la porte qui s'ouvre et voilà RVE. Ah, elle a opté pour un haut à manches courtes afin de garder les avant-bras bien dégagés et de favoriser la moisturization of the forearms. Yeah, et oui. On voit aussi qu'elle a usé d'une stratégie ma foi fine qu'on n'a plus vue depuis 97. Elle s'est crassée les mains avant de les laver. Mais vous avez... Mais oui. Mais formidable. Oui, exactement. Parce que quand on commence avec des points négatifs, fatalement, on ne peut que remonter, Thomas. Eh bien oui, mais nous pouvons... Alors, à votre avis, il s'agit de... Est-ce que ce serait du sang de porc, ces traces brunes? Je pense que ce sont des... Je pense que c'est du sang, oui. Ah oui. Je pense que c'est du sang. Ah là là là. Je pense que c'est du sang coagulé. Je pense qu'elle leur a bien laissé sécher 2-3 jours, certainement. Mais vous avez l'air de vous y connaître particulièrement bien en termes de sang séché 2-3 jours. Oui, certains diront que peut-être que RVE sera passé chez moi pour une stratégie pareille. Mais non, ce ne sont que des spéculations, Thomas. Ce ne sont que des spéculations. Oulala, et elle a passé ses mains sous le... Ah, le jet d'eau se lance, c'est un flux bien tendu, et elle commence, main droite, main gauche, elle passe. Thomas, il n'y a plus de savon dans le distributeur. Mais non. Oh là 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 là. Alors elle, oh là là, d'un mouvement très élégant, elle passe au deuxième lavabo. Oh non, troisième lavabo. Est-ce que finalement le sens lavabo, ne sera qu'un malus? Cinquième lavabo. Est-ce que ce ne sera pas une stratégie qui sera... Elle appuie. Oui. Ça y est, une goutte est tombée. Et elle frotte. Oh, je pense qu'elle est partie pour un grand... C'est propre comme un sous-neuf. Mais c'est beau. C'est beau. Oh putain, c'est aïe, vide. Izo n'a pas commencé l'impro dans cette pièce, en tout cas, non. Mentalement. Ah mais, non mais, j'ai chaud là. Oh, ce qui s'est passé, c'est que... Je ne savais plus à quoi on jouait. Je ne savais plus. Oui, j'ai bien vu. Oui. Je ne savais plus. J'étais. Mais quoi? Ça m'a fait peur. Tu veux en faire d'autres, Manu? Vas-y. Fais-en une. Quand ce sera pertinent. Ok. Aïe, aïe, aïe. J'ai vraiment voulu éviter de dire le sang de règle, mais c'est vraiment ce que je voulais dire. Ah bon? C'est pour ça que j'ai eu. Mais je n'avais absolument pas du tout compris que c'était à ça que tu faisais référence. C'est vrai, c'est clair. Ah oui. Ah ok, c'est vrai. Oui. Cool. Et je pense que c'était d'autant plus drôle qu'on ne le mentionnait pas. Et puis de toute façon. On ne peut pas toujours gagner. C'est vrai. Oh non, un chien. Ah là là, le lavage de main, c'est beau. Oui, c'est très important. Dans les lieux publics, c'est encore plus beau. Ouais. Il y a un certain courage à se lever les mains. Et certainement relativement rare. C'est malheureusement. Oh. Malheureusement bien sur ces. Malheureusement bien. Est-ce que le lavabo ça vient de là? Parce que quand tu te lavas, eh ben c'était beau, le lavabo. Oh. Est-ce que ça vient de là? Peut-être. Eh bien, là, c'est le moment pour cri, 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 cri. Chers auditeurs, toujours gagner. Si vous avez la réponse à cette question, venez nous le dire. Envoyez lavabo au 3637 avec vos coordonnées et nous vous recontacterons. Ça fait beaucoup, une longue phrase à envoyer au 3637. C'est vrai. Il se peut que prochainement, puisque nous avons émigré sur Utip, nous ayons une boutique avec le t-shirt, on n'a rien préparé pour devenir une lavabo. Le t-shirt lavabo. Avec un koala. Accessible pour les détenteurs dedans. De 2 milliards de points. Ça. Oh, putain. Si vous avez le code Wash Your Hands, motherfucker, vous avez accès au t-shirt lavabo. Et le code Moisturize. Forearms. Et en attendant, nous allons passer à la deuxième improvisation que j'ai le grand plaisir de présenter. Il s'agit d'une chanson. Oh fuck. Et oui. Oh fuck. Oh fuck. I'm gonna sing. Oh fuck. Alors je vous ai préparé une petite instrumentale. Et je vous en ai même préparé deux, donc vous avez le choix. Est-ce que vous voulez quelque chose? Ben, Ize, puisque tu as l'air en énergie haute, est-ce que tu préfères quelque chose de très rythmé ou quelque chose de plutôt posé? De posé, très bien, ce sera quelque chose de plutôt posé. Ah. Eh bien, votre mot sera sous-sol. C'est trop proche de souterrain. Ah oui, c'est vrai. Eh bien, dans ce cas, votre mot... Voilà, dans ce cas, votre mot sera lasagne. Excellent. Lasagne me paraît un très très bon mot, effectivement. Okay. Attention, c'est parti pour une chanson. La bande-son fait environ 3 minutes, 34 minutes. Vous n'êtes pas oublié. 34 minutes. Dans 3 minutes, 34 minutes.
3 minutes, 34 minutes. Oui, c'est ça. 3 minutes, puis 34 minutes. C'est ça. 3 minutes d'intro, puis 34 minutes. Voilà, c'est ça. L'album concept. Parce que je l'ai répété, je l'ai compris à la troisième. Ah ouais, bah, du coup, c'était utile pour une fois que je répète la blague. Ça, c'est beau. Pour bien que les gens comprennent. Attention, ça commence drôle. Maintenant. Lasagne. Une couche, et puis l'autre. Une couche, et puis la deuxième. Tu en ajoutes, parce que je t'aime. Lasagne de corps. Lasagne de corps. L'amour sans effort. Posément, je pose ma main. Gentiment, rien de brut. Juste toi, moi. Et les voisins. Les voisins. Une couche. Lasagne de corps. Lasagne de corps. Lasagne de corps. L'amour sans effort. Mais un jour, tu as posé une couche de trop. Une couche de trop. Une couche de trop. La béchamel a coulé, mes larmes ont coulé. Ta brutalité m'envahit. Je ne veux plus, je ne veux plus. Éloigne-toi. Lasagne de corps. Le corps à corps. Lasagne de corps. Lasagne de corps. L'amour. L'amour est déjà mort. Au défaut. Lasagne de corps. Lasagne de corps. Lasagne de corps. C'est beau, mais c'est mort. Waouh, c'était beau. C'était fort. C'était fort, lasagne sans effort. Lasagne de corps. Oh putain, ça me faisait penser à Ratatouille un petit peu dans l'ambiance. Ça me faisait penser à une partouze à la base, mais j'ai senti que c'était pas la vibe. J'ai senti que c'était pas trop la vibe. Non. Quoi, à cause de lasagne ou à cause une lasagne, de c'est plein de couches, tu vois. Couches, et donc, si je fais une lasagne de corps, a priori, tu mets pas deux personnes, c'est pas assez. C'est ça. C'est... ça, c'est un cannelloni. C'est les jambes, les bras, et c'est un monstre. Pourquoi c'est dégueu? Ah, bravo, bravo. En tout cas, c'était beau et c'était top comment vous êtes revenu au moment où la musique resuspendait et repassait au premier thème. Mais oui. Veux-tu Nous sommes bons, c'est tout. Mais c'était très beau. C'était très beau, c'était très fort, et pourtant si peu d'efforts. Eh bien, Ize, oui. Tu nous présentes ton impro ? C'est juste. Genre maintenant ? Genre là ? Là et là ?
Parce que c'est une demande. Je vais vous pas toujours gagner. Et je vais vous présenter du coup, je vais vous proposer, pardon, Hicham et Manu, une deux mondes différents. Tout simplement. Ce sera un moment très simple. Ce sera un moment très très simple, avec des personnages qui viennent de littéraires ou cinématiques ou culturels différents. D'accord. Et en l'occurrence, nous allons avoir Manu. Ton personnage viendra des Trois Mousquetaires, écrit d'Alexandre Dumas, de l'épique, des missions, des rois et des reines à sauver, souvent de la trahison. Tu as toutes les références. Des capes et des épées, c'est très important. Des bottes, rendez-vous et des chapeaux. Du honneur et de l'honneur. Et des plumes. Et Hicham, finalement, ton envie de partout sera réalisée parce que. C'était pas une envie, c'était une idée. C'est pas pareil. Okay. Et ben, ton idée sera réalisée parce que tu auras un personnage qui vient des éditions Harlequin. C'est l'eau de rose qui frôle, un peu plus que frôler d'ailleurs, l'érotisme. Mais qui n'est pas vraiment non plus, franchement érotique mais non pas plus. Franchement non plus. Ouais. Et il y a souvent des pétales de rose qui volent un peu partout. et des clichés et des torses velus. Et votre mot pour vous inspirer sera espace. Donc oui, voilà, trois chambres, une salle de bain, une cuisine, c'est somme toute pour le loyer qu'on propose, c'est plutôt généreux. Et d'ici, j'ai une vue imprenable sur la place de l'hôtel de ville, où ce coquin de Montmirail devrait faire son coup d'ici peu. Et donc du coup, vous voulez prendre l'appartement tout de suite, maintenant ? Oui, tenez, voici ma bourse. Il devrait y avoir bien assez que pour couvrir les frais des premiers mois. Ah oui, effectivement, enfin, c'est une belle bourse. Eh bien oui, je gagne durement ma vie. Je suis au service de sa majesté. Pour lui, je pourfends, je profends et j'arfends. Et j'arpente également les rues de notre belle capitale française. Est-ce que vous voulez fêter ce contrat avec un petit café ou quelque chose d'enfin... Oh! Mais oui, belâtre, quelques beaux breuvages me feraient le plus grand bien en attendant la tension qui ne tardera pas à surgir lorsque ma mission devra être exécutée. Oui, écoutez, ça tombe bien, j'ai déjà préparé tout un palato pique-nique. Est-ce que vous voulez du lait dans votre café ? Oui, mais bien sûr, mais vous disposez ici des derniers raffinements de la cour, mais... Attendez. Cette petite barbe... Cette moustache du vêtement broussailleuse, vous. Oh, vous êtes le neveu du cardinal. Comment, moi ? Ah non, moi je ne suis qu'une personne qui navigue la vie comme je le peux. Enfin, mais oui, évidemment, vous avez été plongé dans des courants contraires et tumultueux de par votre naissance incestueuse et cachée, mais ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce que vous allez faire de moi ? Je n'ai d'autre solution mes vêtements. Que de vous mettre aux arrêts. Il me faut vous amener devant la cour. J'ai été méchant, c'est ça ? Oui, vous avez mené une vie de péché. Mais ne vous inquiétez pas, tout n'est pas perdu. Est-ce qu'il faut que je me déshabille avant de rentrer dans le cachot ? Non, ce n'est pas nécessaire, non. Là, attendez, arrêtez, la bienséance m'empêche de voir ce nom. Rhabillez-vous, s'il vous plaît, Punissez-moi, j'ai été mauvais. Non, attendez. Et reprenez votre bourse. Mais non, voyons, attendez, tenez cette draperie et revêtez-vous. Voyons, je ne peux vous arrêter si vous êtes en un plus simple appareil que celui qu'Adam avait lorsqu'il batifolait avec Ève dans le jardin d'Éden avant la faute première. Allez, rhabillez-vous, Vous voulez pas de moi, c'est ça ? Je ne suis pas assez bien pour vous. Il ne s'agit point de cela, je... C'est comme ça, j'annule l'achat. Non, attendez, je ne suis reprenez que... votre argent, ce que vous non. Oh, ma bourse. Oh, waouh. J'ai senti une curiosité / satisfaction de votre part à tous les deux de jouer vos rôles respectifs. Un peu de ouh. Un peu de ouh. On faisait les cons, quoi. C'est ça. Mais oui, tu sais ce moment où tu dis, ah, en fait, ces univers vont... s'emboîtent étrangement bien l'un dans l'autre. C'est
trouver l'intersection. C'est ça. Et tout doucement, la malaxée. Créativement parlant. C'est pas moi qui présente, c'est pas moi qui présente. Ah oui, c'est vrai. Et oui, tu es entre... Iseux, les entre-mémoires, oh, Hicham. Nous sommes damnés. Oui, c'était très drôle, c'était très drôle. Merci, merci beaucoup Iseux pour cette belle catégorie. Et qui nous amène au segment suivant de cette émission, les coups de cœur du jour. Et oui. Alors Hicham, toi qui as présenté la première improvisation du jour, quel est ton coup de cœur ? Eh bien, mon coup de cœur est pour une émission de radio, figurez-vous. Ah bon ? La meilleure émission de radio que cette terre ait jamais portée. Enfin, oh wow. Carrément. J'exagère, mais bon, voilà. Non, je vais vous parler d'Affaires Sensibles. Affaires Sensibles, qui est une émission, qui est une très très bonne émission de radio, malgré le rire moqueur de mais Manu. Non, mais oh, il n'était point moqueur, voyons. Menteuse. Donc, Affaires Sensibles, c'est une émission de radio de je dirais, de société, qui parle à la fois de faits divers, mais aussi parfois de phénomènes culturels ou de société ou d'événements historiques ou politiques, de l'histoire du XXe siècle, parfois un peu avant, et qui existe depuis 2014 et qui est présenté par Fabrice Drouel. C'est une émission que moi j'aime beaucoup. Il y a beaucoup de recherches, c'est en partenariat avec l'INA, donc c'est très recherché, c'est ultra documenté, c'est toujours super bien raconté, et ça parle d'événements toujours avec un regard sur la société moderne, et de tirer une leçon de ça, et souvent avec beaucoup de bienveillance. C'est pas vraiment du fait divers crasse qui se roule dedans et qui fait un peu genre regarde-le. Il y a souvent un truc de commentaire social ou quelque chose comme ça qui sort de ça, et c'est surprenamment humain pour du fait divers, mais c'est pas que du fait divers, il y a plein de trucs d'affaires, de société, de politique internationale, de parfois de genre de grands matchs d'échecs, d'années marquantes du XXe siècle, par exemple il y a une émission sur l'année 69, année érotique, ou bien sur plein de choses, sur la nouvelle vague, c'est vraiment sur l'histoire du XXe siècle en général, en parfois se penchant sur des faits divers. C'est super intéressant, c'est des formats d'une heure avec 40 minutes de récit, ensuite 20 minutes avec un invité qui est un spécialiste du sujet, et c'est vraiment très très intéressant. Je vous encourage à écouter ça, il y a plein d'émissions super intéressantes. C'est apparemment, j'ai appris ça il y a 10 minutes, que c'est adapté en émission de télé sur France 2, c'est ouf. Et voilà. Ah oui, trop bien. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter d'habitude, qui passe tous les jours de 15 à 16 heures. Tous les jours. Wow. Tous les jours de la semaine, genre lundi au vendredi. Lundi au vendredi. Oui, oui, bah il y a pas mal de rediffusions. Je crois qu'ils ont un jour de rediffusion par semaine, parce que maintenant, ça fait depuis 2014 que ça existe. Wow. Et sinon, c'est des émissions neuves. Et pendant les vacances, généralement, ils font des rediffs. Trop bien. Très intéressant. Je vous encourage à aller vous. Eh bien, merci beaucoup. Vous roulez dedans. Formidable. Roule. Eh bien, mon coup de cœur à moi, c'est pour des ateliers de couture que j'ai commencé à suivre depuis septembre. Ce sont les cours de couture de la boîte à recoudre. Alors, c'est chouette parce que moi, vraiment, je suis vraiment pas du tout une manuelle et j'y connais vraiment, enfin, j'y connaissais pourtant, du coup vraiment rien en couture. Manuelle. Oui, je sais. C'est une de mes grandes tragédies personnelles. Donc c'est des cours qui sont très débutant friendly, où on apprend à utiliser des machines à coudre, on apprend des techniques, mais en plus il y a tout un côté social dedans où ben on est en partenariat par exemple avec Douche Flux, qui est une assoc. Quoi ? C'est une assoc de lavement. Alors... Non, Douche Flux, c'est une assoc qui aide les. Mais enfin. Pardon, mais. C'est une assoc qui vient en aide aux personnes en situation de grande précarité, et notamment aux personnes qui sont à la rue. Voilà. Quoi, ils n'ont pas le droit de se laver les fesses. Arrête. Mais enfin. Arrête, Iseux, t'es aussi tenté que moi. Ne fais pas genre, ne monte pas sur tes grands chevaux là, alors que tu es dans le même caca. Donc avec cette association qui aide les sans-abri, avec Bruxelles aussi, qui est une association qui lutte contre la précarité menstruelle.
et donc qui essaye d'offrir des protections menstruelles aux femmes, notamment aux femmes en situation de grande précarité, etc. Et donc, par exemple, la semaine passée, on a fait des porte-savons, des petites pochettes porte-savons qu'on va aller distribuer chez 12 Flux après, etc. Donc, il y a ce côté partenariat avec des assos, il y a ce côté contre le gaspillage, pour la récupération, avec toute une réflexion autour de la fast fashion, etc. C'est très, très bonne ambiance en plus, et il y a autant des personnes qui font ça depuis des années que des personnes qui sont toutes nouvelles aussi. Et en plus, c'est pas très cher. Voilà, n'hésitez pas si ça vous tente de vous lancer dans des cours de couture. Bah, en plus, la personne qui donne les ateliers, c'est une pote à moi qui est vraiment incroyable. Saki, gros cœur sur toi. Donc voilà, les cours de couture de la boîte à recoudre, c'est top. Même s'il y a des gens qui s'en moquent parfois. Oh, non. Ces gens sont affreux. C'est juste non. Oui, mais oui, douche flux, c'est vrai que ça fait rire beaucoup de gens. voilà, donc. Mais voilà, parce qu'à la base, je crois que c'est né justement du fait d'offrir des douches à des sans-abri. Oui, non, mais oui. Mais voilà. Mais voilà. Bien, et toi, le ventre, douche, tout ça, bon, voilà, au moment. Oui, oui, oui. Eh bien, moi, mon coup de cœur, c'est pour une vidéo YouTube, mais particulièrement pour... Elle me vole mon travail. Mais c'est ça. Justement, c'est plutôt quelques secondes de son sur une vidéo YouTube. On ne peut pas toujours gagner. Mieux que ça. Oh. Mieux que ça. C'est quelque chose qui me fait particulièrement rire, qui m'a été présenté par Mewtatou. Mewtatou, moi, bisous sur toi. c'est une vidéo d'un chat qui est dans un bain et il veut miauler, mais il n'y arrive pas. Du coup, il fait... Oh. Je vais vous montrer. Du coup, avec mon ami Miu, du coup, à chaque fois qu'on est déçu, on se regarde dans les yeux et on fait oh. Internet et les chats. Eh oui. Ah oui. Voilà. Une inépuisable de fun pour toute la planète. C'est quand ça. Vous êtes et un peu triste et que la vie va pas très bien, rappelez-vous qu'il y a le chat qui fait blume. Voilà. Bien, merci beaucoup. Avec plaisir. On se souviendra. Et effectivement, je crois qu'il y a énormément de choses à dire sur les chats sur Internet, mais merci pour ce petit moment. Fait plaisir. Et merci Miu Tatou qui m'a recommandé cette vidéo. Très très bien. Trouvable sur Instagram. Trouvable sur Instagram. Nous arrivons à la fin de l'émission et il reste à faire le point Utip. Voilà, je n'ai déjà plus ce nom en tête. Le point Utip. Et pour faire le point Utip, bah finalement, je vais utiliser le travail que j'ai fourni en amont de ce podcast. Je vais mettre l'autre bande-son que j'avais prévu potentiellement pour la chanson et on va chanter dessus. Allez, c'est parti. Le point Utip. J'ose imaginer ce qu'on aurait fait avec lasagne et ce truc-là. J'adore. Si t'as kiffé ce que t'as écouté et que toi aussi tu veux venir nous soutenir, t'as plusieurs options qui s'offrent à toi. Viens sur les réseaux sociaux, viens nous dire que t'as kiffé ça. Viens nous dire que t'aimes bien les oiseaux. Viens nous dire que le chat qui fait mlou, ça t'a aimé et ton cœur a fait boum boum. Hey, c'est YouTube. Si dans ton portefeuille traînent quelques petits sous, si tu veux les dépenser à bon escient, moi j'ai un truc, mon petit chou, c'est YouTube. C'est YouTube. T'es un chutip. T'es YouTube. Ou pour toute la vie. Oh. Merci. Merci. Nice. Très bien, très bien. Nice. Parfait, un Utip collectif donc. n'hésitez pas à faire un tour. Ah ouais, collectif. Voilà, c'est la fin. C'était Ise, la gobeline collective. C'est la fin de l'épisode 13 de la saison 3 de On n'a rien préparé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner sur les réseaux sociaux, à faire pleuvoir les likes, les étoiles et les commentaires pour nous aider à être mieux référencés et à partager la bonne parole autour de vous. Iso, est-ce que tu as un dernier mot? J'ai craché dans mon nez. Isham, un dernier mot? Un collectif.
Et mon dernier mot sera cœur sur vous. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour de nouvelles parties.